Vendredi 18 juin 1976, 14h30. Je suis à Grenoble dans les locaux de Son Image, où travaille le groupe de techniciens animé par Anne-Marie Miéville et Jean-Luc Godard. En principe, je suis venu enregistrer un reportage sur ces cinéastes qui ont produit Numéro 2, Ici et ailleurs, Comment ça va ? J'espère enregistrer un entretien avec Jean-Luc Godard, mais je comprendrai très bien qu'il s'efface derrière ceux qui travaillent avec lui. Il n'en fait rien, car il a décidé pour sa part de filmer en vidéo notre entretien en vue des programmes qu'il compose actuellement pour l'Institut National de l'Audiovisuel et FR3. J'assiste donc à la préparation du plan qui dure une heure environ. En face de moi, un jeune homme vient s'installer à la place qu'occupera Godard tout à l'heure, de telle sorte qu'on règle derrière nous les lumières, l'équilibre des cadrages et la position des micros. J'en profite pour interroger le jeune homme en face de moi. Ici, on fait du ménage, on fait des images, toutes sortes d'images. C'est-à-dire, on fait des images qu'on n'a pas l'habitude de faire. Autant, c'est moi, je travaille dans le long métrage d'habitude. Donc là, on fait de la vidéo et du Super 8, aussi du 16. Et puis, on bricole dans le scénario aussi, puisque chercher les images que veut Jean-Luc, c'est aussi penser au film différemment. Et puis, on fait des expériences qu'on ne fait pas ailleurs. Un exemple récent, c'est tout simplement de passer en télécinéma, c'est de filmer le même événement, en l'occurrence un meeting à Lyon, le même événement avec plusieurs séries d'appareils qu'on n'utilise pas d'habitude, en l'occurrence beaucoup de Super 8 et du 16, et puis de passer par un autre intermédiaire que celui qu'on a d'habitude, c'est-à-dire un télécinéma, et de les relire au tube et de voir que finalement, au tube, pour ce type de travail, ça fait peu de différence. Ou alors c'est simplement d'utiliser des optiques qu'on n'utilise pas d'habitude sur des caméras de télévision, les mettre sur des caméras de télévision qui ne sont pas faites pour ça. Et puis on voit que quand même il y a une petite différence. Bon, je veux dire, toutes ces choses-là, on ne les fait pas ailleurs. On ne les fait pas d'habitude. Au contraire, on est discipline par discipline. Non, mais est-ce que cette recherche s'intègre dans le scénario ? Parfois, enfin. Je veux dire qu'elle produit des effets. Elle produit des effets à chaque fois, c'est-à-dire que ne pas travailler, ne pas faire le plan de la même manière qu'on l'aurait fait conventionnellement, ça oblige à penser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à se servir d'un éventail de techniques, au lieu de penser qu'il y a une technique et que le sujet, il est impressionné et restitué d'une seule manière. Penser qu'on a plusieurs techniques dont chacune possède un inconvénient ou une qualité, ça force à penser au sujet. Vous vous appelez comment ? Dominique Chapuis. Et vous avez fait quoi avant de rencontrer Godard ? J'ai fait l'IDEC. Puis après, j'ai fait du long métrage. J'étais assistant opérateur de long métrage, cadreur de long métrage. J'ai fait des films des films conventionnels que, disons, une frange de la production qui est un peu marginale. Bon, et puis là, avec Jean-Luc, c'est un type de travail complètement différent. Et comment est-ce que vous l'avez rencontré ? Comment est-ce que ça s'est passé, Jean-Luc ? Ça se fait par une série d'intermédiaires. C'est petit à petit, on travaille avec un groupe, puis que comme le groupe se désolidarise de la production habituelle, donc on arrive à se rencontrer parce qu'on ne peut pas se voir, parce qu'on est obligé de se voir. Et est-ce que vous avez été impressionné à l'idée de travailler avec Godard ou pas ? Non, c'est impressionné, non, content. C'est pareil. Non, j'étais impressionné il y a 10 ans, mais il y a moins de 10 ans, il y a 8 ans quand je l'ai vu pour la première fois à l'idée qu'on a parlé avec lui, mais maintenant, non, c'est plus impressionné, c'est content. Content et inquiet, parce que c'est plus compliqué. Ça pose plus de problèmes, notamment le soir. Je veux dire, quand le travail s'arrête, il faut parler. C'est à ce moment-là que le travail commence. C'est pas seulement pendant la journée où on tourne et puis après on rentre chez soi. En l'occurrence, là, à Grenoble, on n'a même pas ce problème puisqu'on est, ensemble. On s'aperçoit qu'il y a une part du travail qui se fait avant, pendant les repas ou après. Et vous habitez dans un endroit... Non, là, on habite à l'hôtel. Là, on est comme sur un tournage en extérieur. En même c'est temps, ça. Pas comme sur un tournage en extérieur, parce qu'on est obligé...
Il n'y a pas la contrainte du travail. Je veux dire, le travail est réparti dans la journée et dans la semaine. On n'a pas tant d'heures, autant de minutes utiles à faire par jour. Au contraire, on a un temps disponible et ce temps, on doit l'utiliser au mieux. Depuis 6 semaines, on ne tourne pas tous les jours. Donc on a des périodes de tournage et puis beaucoup de périodes de préparation. Et finalement, la préparation, c'est beaucoup plus que le tournage, c'est plus difficile. Alors, vous dites que vous travaillez au scénario. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un aspect travail collectif dans... Non, c'est plus compliqué que ça. Je dis que c'est aussi des choses qu'on ne fait pas d'habitude. C'est aussi pour une certaine partie travailler au scénario. Je donne un exemple. Pensez, quand on fait des courses en ville, dans Grenoble, qui a un plan... D'un personnage qui attend, ou des petits enfants, scène de la vie quotidienne. On peut très facilement réinvestir ça à une structure d'ensemble, on sait qu'il y a 6 films qui parlent de la vie des gens. Et donc, tout ce qui n'est pas ici, tout ce qu'on voit ailleurs, on peut aussi penser à en ramener un peu ici. Donc c'est aussi, d'une certaine manière, penser, faire le scénario, faire un tout petit bout, chacun à notre niveau, mais faire un tout petit bout, ce qui pourrait pas se produire s'il y avait un scénario écrit, où là, au contraire, il y a des indications, il y a des thèmes. Et on fait, Jean-Luc, j'essaye de faire ce que je sais faire, pas plus. Donc, nous, avec nos moyens, dans la journée, c'est d'essayer de faire plus avec ce qu'on sait. D'essayer de prendre une image, pas en passant se dire « Ah, ça c'est bien, ça pourrait convenir au film », mais prendre le temps de s'arrêter, de dire « Ah ben, il y a quelque chose dans cette image, dans cet événement, qui est une partie du film qu'on attend, qu'on discerne. » Donc, on s'arrête et on la ramène. Et ça encore, on n'arrive pas à le faire bien. On commence seulement à le faire, parce que c'est tellement contradictoire avec ce qu'on fait d'habitude. Ou au contraire, on vient... Au boulot. On vient au boulot, même quand on fait... Même quand on fait des films qui ne sont pas des films dits commerciaux, je veux dire, il y a quand même une frontière nette entre ce qui est écrit et qui est à faire, à interpréter, et puis ce qu'il y a avant et après. Alors que là, on est, même si on ne voulait pas, je veux dire, on ne pourrait pas travailler autrement. Vous avez employé une formule, enfin, ici, ailleurs, c'est pas au hasard. Non, c'est pas au hasard, c'est deux choses. D'abord, parce que c'est une petite citation comme ça, et puis ensuite, Jean-Luc, il a une manière de parler qui déteint forcément. Et quand on lit le titre ici et ailleurs et qu'on voit le film, on se dit oui, ça correspond au contenu. Mais quand on le vit, on se rend compte que sous ces métaphores ou cette symbolique très enfantine, et ben en fait, on se rend compte qu'on a assez facilement deux places, qu'on est en même temps dans une entreprise qui essaye de produire des images et des sons. Et puis, qu'en même temps, on est ailleurs. On est, moi, en déplacement à Grenoble, en train de faire un travail et devant rentrer à la fin de la semaine pour retrouver ma famille. Et que ces deux, ceux ici et ailleurs, par moment, ça serait mieux si c'était la même chose. Mais est-ce que ça ne pourrait pas définir un peu le cinéma ici et ailleurs, d'une certaine manière? Ben si, c'est d'être... Si, mais ça, on s'en rend compte qu'à l'usage. Que parce qu'ici... Ici, à Sonimage, on essaye en même temps d'être ailleurs tout en étant plus ici. C'est-à-dire d'essayer de mieux faire ces images et ces sons, de mieux maîtriser les petites et les techniques les unes avec les autres, et en même temps de représenter plus l'extérieur, d'en mettre moins de quantité, moins d'images. On dit un film qui représente beaucoup, ça serait... 10 000 cavaliers, 10 chaînes de montagne, 10 histoires d'amour, 10 baisers. Bon, et ben, au contraire, d'essayer de montrer une mère avec sa fille en train de l'embrasser, mais très peu, mais la regarder beaucoup, longtemps. C'est-à-dire la regarder vraiment. La regarder vraiment. Hein. Mais ça, c'est encore une fois assez contradictoire avec ce qu'on a l'habitude de faire, de voir, en tant que technicien de cinéma. Ou au contraire, on essaye d'habitude de mettre le plus possible de choses dans une image pour qu'elle me dise beaucoup, alors que là, on est
Il nous demande de faire l'inverse. C'est très curieux parce qu'il a écrit un article sur Mizoguchi dont je me rappelle à peu près les termes. Jadis, c'était... La conclusion, c'est tout l'art de Mizoguchi de nous prouver que la vraie vie est ailleurs et qu'elle est pourtant là dans sa radieuse et splendide beauté. C'est un article qui doit dater de, des contes de la Lune Vague. Donc oui, déjà, le, il y avait la... Mais moi j'ai l'impression même que ça peut s'élargir et que le cinéma c'est un peu quelqu'un dans une salle de cinéma ou c'est quelqu'un qui... qui est frustré, d'une certaine manière, je veux dire, qui se trouve devant un ailleurs. Oui, mais qui est un peu... Il est un peu moins ici, à sa place, c'est ça, spectateur, voilà. Dans son rapport avec une petite fenêtre ouverte. Et puis, il s'engouffre dedans, il voit que l'ailleurs, mais il est un peu moins là. C'est drôle parce que petit à petit, ce qui... Moi, je lis assez régulièrement depuis des années ce qu'écrit Jean-Luc. Oui. Ou ses interviews, bon. Cette manière de parler... Cette manière de parler qui déteint fatalement, puisque pendant le voilà travail, le à force d'utiliser les mêmes concepts ou les mêmes petites images, genre, c'est une facilité de communication, on se rend compte que derrière ces procédés oratoires ou ces procédés littéraires, il y a du vrai. C'est-à-dire quand il dit « je voudrais être un peu plus ici et en même temps un peu moins d'ailleurs » et que le « ici » et le « ailleurs » sont ensemble, on se rend compte que dans la vie, ça envoie du concret. Oui, mais justement, il y a une chose à laquelle on ne pense pas, parce qu'on est d'accord, mais beaucoup de gens sont faits de lui une idée totalement stéréotypée. C'est Godard, le solitaire, Godard, l'agression, Godard, la... Je veux dire, Godard le jeu de mots, Godard le paradoxe. Godard, moi, je crois que c'est une image complètement fausse. Pendant le travail, elle est forcément fausse. Dans la mesure où il y a une très grande demande de sa part de parole. Oui. Et une très grande exigence de la part des autres qui lui parlent. Je veux dire, au début, on parlait pas assez, peut-être, quand on est venu ici, ou les premières fois, bien qu'on le connaisse depuis longtemps. Et puis maintenant, on s'aperçoit que parler plus, c'est pas seulement faire plaisir, c'est pas seulement que ça soit plus sympathique dans la journée, c'est que c'est plus nécessaire. Et pour lui, et pour nous, et pour le travail. Ça s'est fait naturellement, je veux dire qu'il n'y a pas eu une décision de... Non, je crois pas que ça soit fait naturellement, puisque le naturel, c'est qu'on soit... C'est qu'on soit un petit peu ensemble, et puis très souvent, on soit chacun de son côté. Alors, oui. Au contraire, pour essayer de rassembler, c'est pas vraiment naturel. Non, non, mais justement, je veux dire. Non, il faut s'entendre sur le mot naturel. Je veux dire quand je dis ça s'est fait naturellement, je veux dire ça s'est pas fait par une espèce de décision arrêtée, comme ça, de communication, de travail en commun, de. Ça s'est fait parce que vous étiez ce que vous étiez, vous, personnellement, lui ce qu'il est, et ça procède d'une espèce... nécessité. C'est ça. Oui. Mais encore une fois, cette nécessité, elle ne suffit pas. C'est-à-dire que ça soit nécessaire de parler pour... quand on fait un travail en commun, c'est une évidence. Oui. Mais on n'arrive pas cependant à le faire tout le temps. Alors, lui, il a un côté mentor, il rappelle, cette fois-ci, vous n'avez pas parlé. Quand il y a quelque chose qui s'est produit dans la journée où on n'a pas assez parlé, et qui se voit sur l'image, il manque quelque chose, ou elle n'est pas bien, ou elle n'est pas satisfaisante, on est mécontent. Et c'est parce que vous n'avez pas assez parlé. Moi aussi, c'est parce que j'ai pas assez parlé. Mais c'est finalement, d'une part, je suppose que ça doit être très agréable, mais d'autre part, je suppose que ça doit être très... C'est peut-être l'inquiétude dont vous parliez. Je veux dire que ça suppose une discipline, enfin, d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, une exigence. Oui, mais c'est déplacer le lieu du travail. Le travail, c'est plus seulement porter, faire... Bon, il utilise une petite métaphore. Il dit, avant, vous faisiez qu'un seul geste, par exemple, ça, pour faire le point, ou ça pour faire le cas, mais là vous êtes obligé de faire plusieurs gestes et en plus de parler. C'est pas inquiétant, mais ça oblige à plus d'attention.
C'est-à-dire que l'attention, elle est ailleurs, elle est plus répartie. C'est pas seulement, bon, pour moi, pour l'image, vérifier que c'est net, par exemple. C'est vérifier avant qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, dans le cadre, et puis qu'est-ce qu'on va en dire après. Bon, voilà, l'attention, alors, devient le maître mot. Enfin, je veux dire, attention à soi, attention à l'autre, attention... Moi, je dis attention, parce que je suis pas... Je sais que je force mon attention pendant le travail d'habitude. Oui. Mais donc c'est là-dessus que j'insiste. Jean-Luc dirait travail. Ah, c'est ça. Dire travail, c'est deux choses différentes. Il faut être attentif dans le travail et il faut travailler pour être plus attentif. Lui, je crois qu'il dit souvent travail. Ça reviendra dans la conversation. Oui. Parce que le vrai travail, c'est pas forcément au sens physique du terme, une force qu'on déplace, c'est plus réfléchir à ce qu'on va faire, c'est plus travailler. C'est-à-dire que ce travail, on le voit réellement dans un film, en tout cas qui est Comment ça va, puisque dans Comment ça va, c'est là qu'on s'aperçoit qu'aucun des... Dans Comment ça va, je crois qu'il essaie de montrer que le travail, il n'est pas là où on pense qu'il est avant et après, qu'il est dissimulé, mais qu'il est pourtant là. Et que là où il n'y a pas eu de travail, là où, eh ben, l'objet final, il est incontrôlable, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Mais par contre, s'il y a eu travail, s'il y a eu question avant, question, réponse, échange, ce travail, il est investi quelque part, et puis à un moment donné, on le voit en l'occurrence sur le petit moniteur au fond. Il y a eu un travail. Pendant que nous parlions, tout a été mis en place. Godard s'installe à son tour de l'autre côté de la table. Notre magnétophone, manipulé par Pierre Jacquet, ingénieur du son de la station de Grenoble, démarre à peu près en même temps que l'enregistrement vidéo de son image. C'est vous qui êtes venu ? Bien, Jean-Luc Godard, bah, la première question est peut-être un peu évidente, c'est la suivante, c'est une question quand même que pas mal de gens se posent, c'est au début des années 70, vous auriez pu très facilement... Je peux vous prendre une feuille de papier? Oui, bien sûr. Aussi. Au début des années 70, vous auriez pu très facilement, si vous l'aviez voulu, prendre votre place dans parmi les stars internationales du cinéma d'auteur, comme on dit aujourd'hui, et vous ne l'avez pas voulu, pourquoi? Ben, c'est... D'abord, je sais pas, moi j'aimerais que vous me disiez qui vous êtes, d'abord, que je sache à qui je parle. Eh bien, je suis Claude-Jean Philippe, c'est mon pseudonyme, j'ai un vrai nom qui est Claude Naon. Je suis journaliste, réalisateur de télévision, et je fais depuis le mois de novembre, et d'ailleurs c'est un peu numéro... Non, 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 pas tellement ce que vous... Je veux dire, là vous êtes payé pour me parler, pour me payer, pour me poser des questions. Ah oui, je suis payé. C'est quoi, c'est une émission de radio? C'est une émission qui s'intitule Le cinéma des cinéastes, et qui est une émission de France Culture, qui est diffusée tous les dimanches à 19h10. Ouais. Et... qui s'intitule Le cinéma des cinéastes, parce que ce n'est pas le cinéma des critiques, tout simplement. Ouais. On a quoi? On a une heure environ, là, pour parler? On a 48 minutes, exactement, 48, entre ouais. 19h10 et 20h. Ouais. Ben là, il y a déjà le cinéma des cinéastes. On en reparlera. Vous avez dit, il y a pas mal de gens qui se demandent, moi. Je sais pas, vous en connaissez pas mal, ça me paraît beaucoup. Non, je veux dire... Qui se demande pourquoi, donc je pense qu'il n'y a pas mal de gens qui sont... Peut-être que... Enfin, comment vous pouvez dire pas mal de gens qui sont ces gens qui s'intéressent à moi? Enfin, ou pourquoi vous êtes venu même me demander? Il y avait une chose là, puis après... j'ai dit, vous auriez pu... Là, c'est déjà un peu plus précis. Vous auriez pu, j'aurais voulu, j'avais envie de vous dire non. J'ai essayé, mais j'ai vraiment pas réussi. J'aurais bien voulu devenir le... Je sais pas, le Lénine ou le Hitler du cinéma, mais j'ai vraiment pas pu. On était foutus dehors vite fait, enfin vite fait, disons, une dizaine d'années. Donc j'ai pas pu. Et c'est étrange, enfin, dans le cinéma, des gens comme vous, pas des autres, des gens...
ce que j'appellerais des gens compliqués, mais compliqués, le cinéma les a rendus compliqués. Puis ils croient toujours qu'on fait, enfin en particulier moi, j'ai fait ce que j'ai voulu. Et je crois que la seule chose intéressante que j'ai pu amener, c'est que j'ai jamais fait ce que j'ai voulu, j'ai toujours fait ce que j'ai pu. Et j'ai voulu ce pouvoir, enfin, mais rien que ce pouvoir-là. Et quand on dit, vous auriez voulu aller à un moment au début, oui, j'ai espéré aller à Hollywood parce que les films coûtaient cher et qu'on avait, et puis j'ai pas pu. J'ai pas pu, et aujourd'hui même, je fais pas de films à Hollywood parce que les films que je veux faire demandent trop cher. Donc là, c'est juste pour répondre, non, j'aurais pu devenir la star, vous voulez dire quoi par... Non, justement, moi je voulais faire indirectement votre éloge, c'est-à-dire que je voulais dire simplement qu'il y a en vous une telle intégrité morale que vous n'avez pas fait le second Pierrot le fou, que beaucoup de gens qui vous ont à l'époque acclamé pour Pierrot le fou attendez de vous. Et vous avez fait au contraire des films qui ont été en sens contraire d'une espèce d'attente correspondant à l'image qu'on se faisait de vous. Je dis « on », je qui pense... A fait, oui, justement, l'image qu'on se faisait de moi... Eh bien, cette image, elle est née... que moi, j'ai fait beaucoup d'images. J'en fais trop, et j'en deviens malade même. J'en suis devenu malade, et mes ennemis sont ceux qui en font pas, et qui m'ont laissé attraper cette maladie d'en faire trop... comme un ouvrier fait trop de gestes dans une usine ou un patron fait trop de pas gestes, si vous voulez, ou il fait trop d'argent, lui, il signe trop de chèques. C'est-à-dire, il fait trop de gestes, mais d'autres genres de chèques, d'autres genres de gestes. Et moi, effectivement, je fais trop d'images. Ça s'est devenu un peu... C'est devenu, je sais pas, une sorte de... Je sais pas, le cancer doit fonctionner un peu comme ça, puisqu'il fabrique des images que les bonnes cellules... Il les infecte. Mais qui m'a fait devenir comme ça? Je pense pas que je suis seul, parce que quand on fait une image, elle est regardée souvent. Et les miennes ont été regardées à un moment donné par un certain nombre de gens. Alors l'image qu'on se fait de moi, c'est effectivement, je suis assez frappant. Moi, il y a un truc qui... C'est que les gens, enfin dans la profession, j'ai que des ennemis, par exemple, mais ils m'appellent tous Jean-Luc. Et vous avez commencé, du reste, par dire Jean-Luc. Ah, et non, puis après, non, Jean-Luc Godard, presque... Ah, non, je juste pas. Au début. Ah non, je ne me permettrai pas de dire Jean-Luc. Bah, c'est déjà quelque chose. Mais si vous voulez, moi, je ne sais pas, c'est... Enfin, qu'est-ce qui fait que vous venez me voir, moi, plutôt... Ah, ça, je peux vous l'expliquer. Mais moi, plutôt que ce qu'on fait, car ce qu'on fait, à l'endroit où vous êtes, on peut... qui est la, disons, la radiodiffusion officielle ou la télévision officielle, on ne peut pas le faire. Là, j'ai l'impression, c'est déjà parler une heure, c'est déjà beaucoup. D'habitude, les gens n'ont pas le droit de parler une heure à la télévision. Alors, pourquoi un cinéaste aurait le droit plus qu'un autre? Non, ça, je peux vous expliquer pourquoi je suis venu vous voir, personnellement. Oui. Oui. Je veux dire. Pas personnellement ou comme journaliste? Comme journaliste et personnellement. Enfin, pour moi, c'est très lié. Je veux dire, je vois pas comment ça pourrait se dissocier. Non, je m'occupais d'une émission qui s'appelle Le Ciné Club à la télévision. Je n'écrivais plus d'articles. Et numéro 2 est sorti. Et j'ai été complètement, mais personnellement, excédé par la manière dont la presse a rendu compte de numéro 2. Et je me suis dit que ce film était d'une importance... plus que considérable, et qu'il fallait qu'il y ait un endroit quelque part où les admirateurs, enfin les admirateurs, c'est un très mauvais mot, où les gens qui suivent votre travail, en particulier les gens qui sont appelés à faire le même travail que vous, c'est-à-dire des cinéastes, et des auditeurs donc des futurs spectateurs. Où je voulais, on peut mélanger radio et télévision. Oui, on peut mélanger, oui, oui. Donc, j'avais envie qu'on puisse parler de votre travail et de celui de gens comme Straub, par exemple, longuement et d'une manière concrète. Mais comment est-ce qu'on peut parler du travail sans montrer le travail à travers une personne? À ce moment-là, vous ne parlez pas de la personne. Je veux dire, si vous...
Si vous montrez le travail d'Hitler, vous devez montrer les, par exemple, les camps de concentration. Ça a été son travail. Si vous faites un plan d'une heure d'Hitler qui parle, il deviendra probablement sympathique. Il arrivera même à vous persuader qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le faire des moments dans un wagon qui est fait pour 6 personnes, d'arriver à en entasser 800 et puis même d'y mettre le feu en plus ou des choses comme ça. Donc montrer le travail, là j'ai pas l'impression qu'on montre mon travail. C'est de la radio, on en parle déjà. Et je veux dire que... C'est vrai, peut-être plus. J'aimerais mieux faire le cinéma des cinéastes. En général, par exemple, vous disiez numéro 2, c'est un film considérable, mais s'il a de l'importance, bon, je pense qu'il en a un peu. Mais par exemple, ce qui serait un vrai travail pour aider, ça serait de faire d'autres films qui ont qui ont énormément d'importance, par exemple, d'arriver à faire d'autres films. Mais si vous passez chaque fois, ou Straub, si vous trouvez bien ce que fait Straub, ben, il faut arriver à faire d'eau. Il faut arriver à montrer ce qu'il fait, à dire ou à dire, si on ne peut que le dire, ou à l'écrire. Mais si vous parlez que lui, ça, je ne sais pas, ça deviendra autre chose, ça deviendra forcément une espèce... je ne sais pas, moi je ne suis pas... Il y a un moment, moi je crois... Là j'ai l'impression que vous me parlez comme un être humain, puis alors... Moi, je veux pas un être... J'ai de l'humanité en moi, mais je ne suis pas... Mais cette humanité, je vous la montre par... je peux vous la montrer par ce qui sort d'elle. Avoir de l'argent dans sa poche, ça veut... Être riche, ça veut dire... je suis riche, mais ça ne peut... Pour montrer qu'on est riche, on sort ce qu'on a. Alors, on sort de l'argent de sa poche et on en fait quelque chose. Mais là, vous pouvez pas sortir par des mots... quelque chose qui n'en est pas. Donc, pour me rendre service, en fait, je pense que ce que je fais là, comme travail, vidéo, parce qu'on travaille quand même, on dépense l'énergie, va me faire du tort à cause de ce micro, à cause de cette caméra, et à cause du fait que ça fonctionne comme ça, et que ça ne passera pas, ne passera que quelques signaux qui, de toute façon, n'arriveront même pas à être pris pour ceux qui sont, et que le travail qu'on fait est ailleurs. Et ce qui m'embête, justement, je vous disais, j'ai fait trop d'images, moi, et là, on en fabrique une de plus. Ce qui est même une image d'image. Alors, qu'est-ce que je devrais faire? Je sais pas. Moi, vous... 10 en méchanceté, vous... Enfin, là, moi, je parle à 2 ennemis, là. Il y en a un qui me parle... Et puis, il y en a un qui parle pas, qui est mon principal ennemi, qui est plus intéressant que l'autre, du reste, qui sont des gens comme lui, qui est un salarié de l'ORTF, qui se considère comme un travailleur, probablement, qui est probablement syndiqué, puis qui fout rien. Il a une machine, il fout absolument rien. Il est payé pour rien foutre, et il y en a 40 000 comme ça à l'ORTF, et on s'étonne que ça soit mauvais. Et moi, mon idée, on dit toujours, je suis parti avec l'idée qu'on m'a appris que le spectateur était passif. Or, moi, la malhonnêteté considérable de la télévision et du cinéma, enfin de la presse en général, c'est qu'ils sont extraordinairement actifs. Ceux qui sont passifs, c'est... Vous êtes encore à une frange de la limite de l'honnêteté, parce que vous avez un peu de moralité chrétienne ou comme ça, donc peut-être vous essayez. Lui, il y a longtemps qu'il en a plus, il n'oserait pas faire ce boulot plus tranquille ou comme ça, enregistré ou comme ça. Par exemple, ce qui serait du travail, ça serait de parler à lui, que lui m'interviewe. Puis si vous ne savez pas enregistrer, ben il devra faire 2 choses ensemble, qui est à la fois parler et à la fois enregistrer. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Mais lui, il ne me parlera pas. Pourquoi pas? Ben, je ne sais pas, allons-y. Allons-y. Je ne suis pas syndiqué. Et j'ai une conception, je pense... intéressante de mon travail. Et je trouve pas que c'est un métier de fainéant. Par exemple, à la perche, j'en ai plein les bras, mais je pense que vous connaissez le son aussi bien que moi, et un micro placé à 5 cm de différence peut avoir un rendu différent. Et moi, j'essaye de traduire votre voix de la façon la plus présente, la plus chaleureuse, pour que ce que vous avez à dire passe le mieux. Mais par exemple, si j'étais Pinochet et que... Je le ferais pareil. Vous le feriez pareil? C'est là qu'il y a un truc complexe.
Parce que Pinochet, ou si vous y étiez, prenons un autre exemple, l'exemple des ouvriers du Parisien libéré. À un moment donné, moi, que je sois maury ou pas, ils font le même boulot, ils essayent de bien imprimer ma parole. Mais vu que c'est que ma parole est une parole qui va contre eux, tout le travail, et c'est même pire, il faudrait mieux que vous fassiez mal votre travail, car la voix d'Amaury ou de Pinochet passerait pas, mais vous faites passer la voix de Pinochet, il y en a une grande partie qui vous retombe sur les pieds après. Alors là, je me dis, mais c'est mes ennemis, car moi, Pinochet, il m'empêche de faire des films, et ceux-là qui disent, pour rester dans l'endroit où je suis, Pinochet, il me finance pas un film. Or, le type avec qui je vais travailler, lui, il rend du pouvoir à la voix de Pinochet, il est même payé pour ça. Puis à des moments, il s'étonne quand il fait grève, par exemple, ou s'il est mal payé par Pinochet, mais il s'étonne en plus que Pinochet soit méchant. Parce que moi, j'ai appris depuis longtemps. Et ça m'étonne. Et là, moi, c'est le pire ennemi. Car ici, le travail qu'on fait, c'est assez étrange. On manque de travailleurs. On s'est aperçu qu'il n'y a pas... Moi, je ne peux pas commander de film à des gens. Les gens aiment mieux faire un film publicitaire ou aller enregistrer Pinochet. Puis alors, si par hasard, c'est le Christ ou les Rolling Stones ou quelqu'un qu'ils aiment bien, ils ont l'impression d'avoir pas... Bon, ils ne regrettent pas. Puis... Mais moi, j'arrive pas. Enfin, un mec qui fait... Un caméraman de CGT qui fait un gros plan sur Chirac, puis Chirac est en train de dire « à bas les syndicats », mais sa main qui bouge, et comme ça, il y a un truc absolument invraisemblable. Et il faut bien dire, ben là, si la classe ouvrière ou les ouvriers sont leurs propres ennemis, mais qu'est-ce qui va changer? Donc on peut se dire, je sais pas, on est peut-être plus près, notre travail est peut-être plus près des... On fait des images, on en a fait trop. Ce qui manque ici, c'est que les gens veulent pas faire d'images. Ils veulent pas. Pas d'images d'eux. Et même pas d'image des autres, pour qu'elle leur soit recommandée. Lui-même, enfin, justement, ça m'intéresserait de savoir, est-ce que vous enregistrez beaucoup de sons pour vous-même? Oui. Et vous enregistrez quel type de son? Attendez, on va changer. Malheureusement, Pierre Jacquet n'a pas pu enregistrer sa propre réponse à la question de Godard, car il est, comme on dit, en bout de bande. Je me souviens qu'il a dit que son métier le passionnait et qu'il allait enregistrer pour le plaisir des bruits de nature aux alentours de Grenoble. En disant cela, il a chargé une nouvelle bande et il a placé à nouveau son micro à quelques centimètres de la bouche de Godard. Le seul endroit où on peut changer, enfin tout le monde demande du changement. On dit faudrait que ça change, hein. Faudrait quand même que les patrons nous payent un peu plus, faudrait qu'ils me baisent un peu mieux, il faudrait que quand même que les enfants soient pas si emmerdants, il faudrait quand même que le soleil, et la pluie et le beau temps, ça soit bien rythmé, tout ça. Mais un endroit où on peut changer quelque chose, ben, c'est la fabrication des images et des sons, mais et pour une simple raison, c'est que... C'est pas un meuble à déplacer. C'est quelque chose d'autre qui bouge. Et parce qu'il bouge, c'est plus instable. Étant plus instable, on peut le... C'est ça une image et un son. Une voiture, hein, c'est ça. Puis ensuite, une fois que c'est ça, ça fait touf, 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 touf. Puis ça va pas dans... Ça peut pas faire 36 000 trucs. Un avion, ça fait... Puis ça peut pas faire 36 000 trucs. Ça peut faire boum, boum, si on lâche des bombes ensemble. On peut pas... Un enfant même, hein, bon, ça, on peut lui donner 3 gifles pour le faire basculer, mais 10 ans après, il vous plantera un couteau dans le ventre. Une image et un son, non, ça reste instable, c'est comme ça. Puis, parce que c'est plus bougeant, plus friand, enfin plus friable, enfin, ça peut être bougé, plus, ça peut changer, ça peut être... Alors, il y a quelque chose... Alors, au moins, c'est le seul endroit où on peut changer quelque chose, on peut changer que ça, mais le fait de changer ça, suivant comme on s'entend et qu'on a des rapports pour produire ce changement, les fameux rapports de production, il n'y a que là qui peuvent être efficaces. Et si c'est si puissant aujourd'hui, c'est parce que c'est le seul endroit où ça ne se fait pas. C'est le seul endroit où ça peut se faire, c'est le seul endroit où ça ne se fait pas. Pourquoi, après le cinéma, il a fallu inventer la télévision? C'est pour masquer encore plus ça. La télévision, on aurait pu en faire des tas de petits cinémas.
Mais au contraire, on en fait une énorme usine, soit sous la forme française, un système centralisé, soit sous la forme multinationale, comme en Amérique ou dans les pays dits plus démocratiques, enfin, un système démocratie bourgeoise, comme en Allemagne, disons des pays décentralisés, où c'est le système déjà un système multinational, une série de petites usines, mais qui appartient à une seule société. En France, on en est encore au type archaïque de système ultra-centralisé. Alors là, on peut plus, effectivement. Et c'est fabuleux à l'ORTF, ils pourraient changer quelque chose à la télévision, mais ils sont 40 000. Ils sont 40 000 qui travaillent comme chez Renault, mais à un endroit où on n'est pas chez Renault, il n'y a pas de policiers. Chez Renault, pour dire bonjour patron, ou chez Citroën, pour dire bonjour patron, il y a quand même un mec derrière qui te dit, si tu dis pas bonjour patron comme ça, et physiquement, ben, tu te fais lourder. À l'ORTF, quand vous êtes en train d'interviewer Pinochet, à un moment... Le pouvoir, il est là. Il est là. Il est là, la perche, c'est pas... Il y a une main, puis il y a quelqu'un derrière. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui vous dit, il faut faire ça. Il y a un truc extrêmement étonnant dans la communication, c'est que, je sais pas, il y a eu des grandes grèves à la télévision française il y a quelques années. Mais le seul moyen pour faire connaître leur grève qu'ils ont trouvé, ils étaient 40 000 à fabriquer des images et sons, le seul moyen qu'ils aient trouvé, c'est pas de fabriquer une émission, puis dire, voilà nos problèmes, nous sommes des travailleurs. Ce qui fait que personne n'a rien compris, puis on a dit, c'est des salauds, ils nous privent de notre foot ou de je sais pas quoi, puis ils ont fait un tract, puis ils sont allés le porter à l'Assemblée nationale. Mais quelle tristesse. Par contre, quand les postiers ont fait une grève, c'était l'inverse. Les postiers, ils auraient pu écrire une lettre. Ils auraient pu dire, envoyer une lettre à tous ceux qui ont une boîte aux lettres, la même. Puis dire, ben, cette semaine, vous recevrez qu'une seule lettre, puis c'est une lettre de nous. Mais on en est arrivé dans la communication à un tel stade de non-communication, qui même ceux qui sont là-dedans n'ont même plus ces idées-là, qui n'ont même pas pensé à écrire une lettre. Alors, ils postent des lettres toute la journée, au moment où il faut se plaindre, ils pensent même pas à se servir de leur outil de travail. Pareil à la télévision, où il y en a qu'un qui a écrit une lettre, qui est le pire des salauds, qui est Segui. Lui, il a écrit une lettre, mais comme les postes étaient en grève, il l'a fait poster par un motard à Chirac. Et là, il y avait quelqu'un qui était comme vous, un motard, probablement syndiqué, puis qui a porté une lettre d'un jaune, parce que le jaune, c'était son patron à ce moment-là. Enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Ben nous, on... Effectivement, moi, je peux pas compter sur vous pour faire une image, ni de moi, ni de vous. Alors, c'est la catastrophe. Alors forcément, on va s'adresser ailleurs, puis eux arrivent à vous faire faire... Donc, on n'a jamais fait ce qu'on a... Tout ça, je voulais, on n'a jamais fait ce qu'on a voulu, on a toujours fait ce qu'on a pu. Non, mais vous êtes en train de nous accuser l'un et l'autre d'être les directeurs de... D'être les directeurs de... Vous êtes les directeurs de la télévision, c'est les téléspectateurs. Il y a un complot... téléspectateur comme ça, qui est un complot psychologico-social, qui fait qu'effectivement, et là on en revient à l'idée, c'est eux qui font tout le téléspectateur. Dans un cinéma, dans un film, quand il y a Alain Delon et une gonzesse, hein, comment ça marche? Vous avez Alain Delon ici, une image d'Alain Delon, bon, puis après ça disparaît, puis vous avez une image d'une gonzesse. Hein. Alain Delon, gonzesse. Le téléspectateur, il fait le boulot, il dit, Alain Delon aime la gonzesse. C'est ça que j'appelle faire le travail. Alors, quel travail a fait Alain Delon là-dedans? Quel travail a fait Elisabeth Taylor, si c'est elle? Puis quel travail a fait le Bresson ou le Verneuil qui a associé Alain Delon avec Elisabeth Taylor? Aucun. Un travail d'ouvrier. Si vous voulez, il a fait un petit travail, comme une brodeuse, il a brodé. Il a assemblé les deux images suivant les techniques de la broderie cinématographique ou du montage électronique. Puis ce qui est scandaleux, en plus il ne l'a même pas fait lui-même car il le fait faire par une vieille dame au montage à éclair ou dans des labos, ou au contraire par une jeune fille qui croit qu'elle va pénétrer dans les... Et alors donc il veut bien faire, et qui elle est sous-payée, puis lui il est payé très cher. Si encore il faisait le travail et qu'il était pris, qu'il faisait juste le travail qui est réel, le travail manuel, puis tout le travail intellectuel qui le fait, mais il y a longtemps que c'est plus lui. À l'époque de Lumière ou comme ça peut-être,
Mais aujourd'hui, il y a longtemps que c'est plus lui. Alors, on dit que c'est passif. Je lisais encore l'autre jour une interview de Marguerite Duras qui disait des âneries. Elle disait, mais les spectateurs sont passifs. Elle disait, moi, je veux des spectateurs actifs. Elle ne se rend pas compte que depuis la télévision, même depuis 38, depuis autant n'importe le vent, les spectateurs sont énormément actifs, qu'on leur fait croire qu'ils sont passifs, qu'ils dépensent qu'ils ne gagnent pas, et qu'ils dépensent au cinéma, ils font tout le boulot et ils sont prêts à payer 1000 francs pour ça. Tellement le travail les emmerde. Ils n'amènent pas du travail, ils amènent de l'amour qu'on fait transformer en travail, qui est une honte. Et pour tous ceux qui sont dans ces malveillants, c'est une honte absolument invraisemblable. Qu'effectivement, et tout le monde est content. Ils ne se sentent pas du tout escroqués. Un type qui va voir un film d'Alain Delon, qui a fait tout le boulot, qui a payé 1000 balles, il n'en veut pas du tout à Alain Delon d'être payé 700 millions pour la même durée de temps. Par contre, à l'usine, il en voudra à Dassault ou à Chirac, quoi que sais-je, d'être payé le prix. Il ne lui en veut pas tellement du reste. Ce qu'il lui en veut, c'est que si Dassault gagne 700 millions, lui, il ne gagne que 200 000 francs par mois. Il voudrait bien passer à 250 000, et encore. Dans les interviews qu'on a fait, on a interviewé des chômeurs récemment, ou des gens, là. On remarque que les gens veulent bien parler du prix, du salaire qu'ils gagnent à partir de 2500, en dessous de 2000-2500. Là, personne n'a honte de dire combien il gagne. Au-dessus, c'est fini. Ça, c'est une réalité française, parce qu'aux États-Unis, les gens disent tous ce qu'ils gagnent à la semaine. Oui, ça se passe autrement en Suède, mais ça se passe autrement, c'est-à-dire ça agit à un autre endroit. On dit que la télévision, on dit que la presse est plus libre en Amérique, c'est l'histoire, je ne sais pas, que racontait Sartre, vous êtes libre d'écrire un... Il faut voir où elle se passe, la liberté. Non, mais je ne parle pas de la liberté, je veux te donner simplement une question de fait. Je veux dire, si les gens en France ne disent pas ce qu'ils gagnent, de la même façon qu'ils ne mettent pas leur nom sur leur porte. Mais ça, c'est pas un fait, c'est l'ensemble. Ben, oui, c'est qu'ils n'ont pas la même image d'eux, mais c'est une question d'image. Les Américains ont une autre image d'eux, ça ne les gêne pas. Et puis, nous, on a une autre image de nous. Mais justement, c'est intéressant. Comment se fabriquent ces images ? Mais justement, je veux dire, quand on est devant... Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse à venir parler avec nous de ça ? Parce que nous justement, sommes, j'ai l'impression que vous répondez... On peut pas dire, on est une entreprise au chômage. Une entreprise au chômage qui travaille. Dans l'histoire de l'IP, il y a un truc, moi, qui m'a scandalisé tout le temps, c'est où les ouvriers disent toujours « s'occuper », non, « occuper l'usine ». Puis ils ne disent jamais « s'occuper de l'usine ». Où ils disent, ça viendra dans 10 ans. Mais ça viendra dans 10 ans quand on confie ces trucs à un mec qui, quand on fait une grève de la poste, il est le premier à porter une lettre à son pire ennemi. Alors. Non, mais ce que je voulais simplement. Vous me posez la question et vous ne me laissez pas répondre. Oui, pourquoi ça, je suis. Ça, c'est vrai. Pourquoi suis-je venu ? Pourquoi suis-je venu ? Je suis venu. Pourquoi ? Pourquoi suis-je venu ? Est-ce que c'est pour avoir l'interview de Godard ? Pourquoi avez-vous eu l'idée de venir suivre ? Verbe être, c'est trop compliqué. Le verbe être, c'est un... Sans doute, probablement pour me faire engueuler. Oui, non, moi je vous engueule pas. Non, mais... On n'a pas le pouvoir d'engueuler, hein. J'ai longtemps moi, hésité... Moi, je l'engueule pas qu'il interviewe Pinochet s'il faut. C'est pas en mon pouvoir, puis c'est pas le problème, vraiment. Le pouvoir, c'est que d'un interview de Pinochet ou d'un autre... Ça apportera rien, vu comment il sera passé. Et qu'en fait, c'est plutôt des interviews de Pinochet qu'on passe à la télé. Et que ce qu'il y a de pire, c'est que si vous passez un ouvrier de l'IP en grève, il sera interviewé de la même manière que Pinochet. Non, mais justement, je suis venu parce que vous êtes le seul, à ma connaissance, qui rompt. On n'est pas le seul, on est 5 ici, et c'est moi qu'on voit. Je veux bien que tous les 5 soient là. Je veux dire que je m'attendais à tout. Mais oui, mais à un moment, ça va pas. Mais non, mais pas du tout, mais parce que c'est pas vrai. Quand vous interviewez un ouvrier en grève, ou je sais pas quoi, ou quelqu'un dans la rue, vous pouvez dire, monsieur, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais je sais pas, l'autre n'a même pas le temps de dire, mais attendez, je sais pas, ça va peut-être prendre 10 minutes à dire. Est-ce que vous allez passer ces 10 minutes où je vais chercher ? Je suis tout à fait d'accord. Ça ne passera pas. Par exemple, vous avez dit numéro 2, pour parler d'un film, est un film d'une importance considérable. Moi, numéro 2, je n'ai... On peut dire pas fait grand-chose.
Mais ce peu de choses que j'ai fait est énorme dans le cinéma. Et ça, ça n'a jamais été fait. Je suis un type qui a organisé des choses pour que d'autres gens, et en particulier pas des types, mais des filles, puissent éventuellement glisser un bout et organiser un peu le temps, parce qu'elles n'ont pas eu le temps de glisser, même en 8 mois, grand-chose. Et qu'effectivement, les paroles intéressantes qui ont fait trouver peut-être des cadrages après ou des choses intéressantes sont en général des paroles, par exemple, de femmes, là, dans cette occasion. Et que numéro 2 veut dire que ce qu'on appelle la moitié de l'homme, là, le deuxième a fait un truc plus unique, et qu'il y avait une parole de femme qui est la productrice de ce film ici, qui est une des associées, mais que les gens n'ont pas l'idée d'interviewer, et que s'ils avaient l'idée, il faudrait qu'ils attendent 1 an pour qu'elle parle. Et vu comment ils sont salariés, et que pendant ces 1 an, ils sont occupés à interviewer Pinochet ou équivalent, ben jamais après, au bout d'un an, ils diraient, dis donc, est-ce que t'as pensé? Moi, je reviens au bout d'un an. Est-ce que tu as pensé? Est-ce que t'as... Parce que c'est tout à fait normal. Moi, je suis prêt, si vous le souhaitez, à consacrer... J'ai 48 minutes par semaine. Je suis prêt à consacrer autant d'heures que vous le souhaitez aux gens de votre équipe. C'est-à-dire que vous n'avez pas le pouvoir. Heureusement, je me situe. Même si vous nous... Mais c'est heureusement, ça, je me situe. On s'aperçoit que nous, on est capable de faire mieux des films, un moment, quelques images... un peu plus longtemps, mais que même si... Je ne sais pas, si vous nous donniez 50 heures à la télévision, ce n'est pas le problème, on ne saurait pas les remplir. Je ne parle pas, de vous donner 50 heures. Je veux dire que je m'adresse à... Je vous téléphone, vous me dites venez tel jour. Je t'ai dit, enfin, je veux dire... ça peut se passer comme ça se passera. S'il ne souhaite pas parler lui-même, ce sera les autres qui parleront, etc. Ils peuvent pas. Pourquoi ils peuvent pas? Ben, on l'a fait pas. Avec un garçon là qui m'a dit des choses fort intéressantes sur sa manière de travailler avec vous, qui s'appelle... dont j'ai bien l'intention d'ailleurs de diffuser ce qu'il a dit, qui s'appelle... j'ai noté son... il est sur la bande, qui s'appelle Chapuis, je crois. Ça. Bon, ben vous ferez un interview de Chapuis, puis moi je suis effectivement assez estomaqué par le fait que quelqu'un qui j'ai travaillé 10 minutes puisse parler 1 heure sur moi comme ça. Et c'est pas de moi qui... Et que vous avez parlé de moi, et non pas de lui. Et c'est ça qui va pas. Moi, je suis peut-être entière, mais bien après, il y a bien d'autres choses dans la vie de Chapuis, qui est des techniciens qui travaillent ici en ce moment, parce qu'on fait des émissions pour FR3. Il travaille ici, il a appris, m'a appris des choses, c'est pas ça. Mais effectivement, vous n'avez pas parlé de lui. Vous lui avez parlé de moi, et il vous a parlé de moi. Mais c'est gigantesque. Oui, c'est vrai. Mais c'est gigantesque. Elle est là, la criminalité de la télévision. Nous, on essaye de signer nos crimes, si vous voulez, par rapport à vous. Là, c'est un crime... C'est pas que c'est un crime impuni ou puni, c'est pas le problème, c'est qu'il est non signé. Nous, on essaye de signer nos crimes, puis comme ça, il y a des... Peut-être si on... Au moins, on fait partie d'un système criminel qui est l'information et le cancer. Voilà. Ne travaille pas autrement. Il suffirait, pour résoudre le problème du cancer, d'analyser comment se fait une émission de télévision. On saurait tout à fait comment fonctionne le cancer. Mais on n'y tient pas du tout. Parce que si, à ce moment-là, la mort n'existe plus, puis on change le rapport vie-mort tel qu'il est codé actuellement. Notre troisième bobine de magnétophone a défilé à son tour. Il nous en reste 3 encore que nous diffuserons la semaine prochaine, en respectant à nouveau cette fragmentation imposée par le hasard, et qui préserve bien, à mes yeux, le caractère brut, brutal, de ce document. Nous poursuivons ce soir la diffusion de l'enregistrement effectué le vendredi 18 juin 1976 à Sonimage, cet atelier audiovisuel installé au centre de Grenoble, où Anne-Marie Miéville et Jean-Luc Godard ont produit numéro 2, Comment ça va ? Ici et ailleurs, avec la collaboration active des techniciens qui les entourent. Il se trouve que nos bobines de magnétophone durent 15 minutes environ et que les techniciens de Sonimage enregistrent notre entretien en continuité sur leur magnétoscope. Il nous manque donc les moments où Pierre Jacquet, ingénieur du son de la station de Grenoble, interrompt l'enregistrement pour recharger son appareil. Étrangement, ce manque fait apparaître un trait majeur de la pensée de Godard
qui ne procède pas selon un plan déterminé à l'avance, mais par une sorte d'aventure de la parole où tous les risques sont délibérément recherchés. Si bien que l'on peut écouter cet enregistrement à partir de n'importe quel point et être saisi dès les premiers mots par l'irruption vive d'un sens, c'est-à-dire d'une orientation, et d'une parole d'autant plus violente qu'elle se hasarde et qu'elle s'éprouve en parlant. Ah, vous direz, c'est des misères psychologico-économiques, mais qui sont très fortes, car on s'engueule vite. Et à un moment, quand on s'engueule, en général, les gens se quittent. Nous, on essaye de pas trop se quitter, puis de... Mais c'est très dur. Quand vous dites à quelqu'un, je sais pas, la couleur, quand on dit à ta femme, la couleur de ta blouse est absolument infecte, puis ça m'étonne pas de toi, hein, c'est... On se sent atteint par un truc esthétique comme ça. Nous, on pense, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas de fond, mais que de la forme, que de la surface. Et que la surface, c'est comme l'eau, ça fait comme ça. Avec du vent, on la fait plus bouger. Bouger le fond de la mer, hein, ça viendra que quand tout... Mais la surface de l'eau, on peut. Et que c'est ça, c'est pourquoi les formes, les sons sont beaucoup plus intéressants, car c'est des images seulement. C'est pas agressif, une image. Une image, on lui fait dire ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on veut lui faire dire? On peut lui faire dire quelque chose en mettant une autre après, ou en mettant un son avant. Si vous mettez Guy Lux avant, Hitler, puis Saint-Étienne, hein, puis moi, puis vous, puis ta petite-fille. Ben, tout ce qu'on peut dire, c'est que ta petite-fille, on la voit jamais. Ben, nous, on a beaucoup de mal, car on peut même pas engager quelqu'un. On a essayé d'engager des chômeurs en leur disant « Le seul problème, ça serait que vous apportiez quelques images de votre petite-fille. » Puis il dit « Oula, mais non, ça me dépasse. » Et qu'il faudra un peu gagner votre vie à ça, parce que sinon, nous, on n'aura pas d'image à vendre. Alors, nous, on peut la mettre en valeur, si vous voulez. C'est comme le son de cascade. Nous, on peut, mais personne vient nous les amener. Parce qu'on se rend bien compte que si on nous amène un son de cascade, vu comme on travaille ici, c'est très net. C'est pour ça qu'aucun cinéaste n'est venu ici. Parce qu'ils ont peur, ils voient tout de suite. Et qu'ils soient professionnels ou amateurs, c'est pareil. Car tout de suite, on dit cascade. Ben alors, il faut faire l'image de qui va à la cascade avant. Puis il dit, ah bon, faut faire deux images au lieu d'une. Non, mais je préfère que mon patron m'en commande. Hein. Puis là, on en fera 12 000 pour lui. Oui, mais il se trouve que je ne suis pas cinéaste. Et puis qu'on va interviewer que des patrons. Que des vedettes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai pour ce qui me concerne, parce que par exemple, cinéma des cinéastes, excuse-moi. Ah non, mais on a interviewé des quantités de gens qui n'étaient pas des patrons. Hein. J'ai interviewé des. En particulier, je me rappelle que j'ai fait une émission sur les femmes cinéastes, enfin les femmes techniciennes, et qu'elles ont tenu à ce qu'il n'y ait pas de femmes célèbres exerçant le métier de cinéma. Mais il n'y a pas besoin d'être. Mais à partir du moment où il y a la voix de son maître qui fonctionne. Non, là, je peux vous faire écouter cette émission. La voix de son maître ne fonctionnait pas dans cette émission. Ben, je pense pas qu'elle est. Tiens, ben, vous pouvez répondre de l'autre côté. Mais ben, il faudrait bien examiner ça. C'est pas sûr. C'est pas parce que l'exemple est là. Hein. Il n'est pas directeur de l'ORTF. Il n'est pas pour Pinochet. Pourtant, la voix de Pinochet passe par lui. La voix de son maître, c'est ça. C'est pas dire que l'un est un chien et que l'autre est comme ça. La voix de son maître, c'est la... C'est un mot. Je peux vous assurer que dans cette émission... C'est un mouvement. Ne passez pas la voix de son... Enfin, du moins, elle faisait tout pour que voyez, ne passe pas à travers elle la voix de leur maître. Mais moi, je vois pas comment, dans ce qu'on dit là et ce qu'il fait, je ne vois pas très très peu. C'est pas possible. Et elle est là, le type... Nous, on fait simplement des... Nous sommes des malades. Qui disons simplement, nous avons ce type de maladie. Mais je ne vois pas comment, vu dans la société où on vit, comment on l'attraperait pas. Je vois pas comment, comment la voix du système ne parle. Elle a pas besoin de parler expressément. Non, mais je veux dire qu'il y a le slogan le pire qu'il y a dans les. Pour moi, c'est pas du tout. Le slogan le pire, que je trouve débile et facho, enfin, c'est le slogan « liberté d'expression » qu'utilisent encore les communistes et les socialistes. Tout le monde est libre de... Les déportés dans les camps de concentration, ils avaient la... Ils s'exprimaient. Leurs membres, leur gangrène, leur visage hagard, il n'y a qu'à voir les photos qui sont faites, ça exprime parfaitement.
Mais c'était pas l'important, c'est l'expression de la liberté, et qu'il y a un moment qui n'est que l'expression de l'esclavage, qui est la nôtre. Liberté d'expression, c'est un slogan d'Hitler. Ben, ce qui est grave, c'est qu'effectivement, de voir ceux qui ont battu Hitler utiliser ce slogan, la voix de son maître, elle fait pas un aller, elle fait un aller-retour. Il y a des systèmes de feedback. Aujourd'hui, un ouvrier aujourd'hui, il en sait probablement autant que Louis XVI en savait à son époque. Mais sans plus, c'est ça le progrès. On a fait un progrès gigantesque, puisqu'en plus, s'il en sait autant que Louis XVI, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est qu'il a pris la place de Louis XVI. Or, Louis XVI, ses ancêtres lui ont coupé le cou. Il a simplement pris la place et c'est lui le roi. Alors, effectivement, on comprend qu'étant lui le roi, l'ouvrier, il gueule contre le fait qu'il y a un roi plus puissant que lui, qu'il paye mal en tant que roi. Bon, enfin, ça... Non, mais justement, il y aurait peut-être de types de personnes, je veux dire... Nous, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait que ce qu'on peut, c'est ça notre originalité. Et... on fait ce qu'on peut. Que peut-on faire? Nous, notre slogan, c'est on est le tiers-état. C'est pour ça que je prends souvent ces images-là. Le tiers-état, qu'est-il? Rien. On n'est rien. Que voulons-nous faire? Ben, tout. Que pouvons-nous faire? Quelque chose. Et la seule chose qu'on peut faire pour changer et rapprocher un peu le rien et tout, ben, c'est des images, d'abord. Et que les gens n'en font plus, ils laissent les autres en faire. Et effectivement, nous, on appelle criminels des gens qui laissent les autres faire leurs images ou qui ont besoin des autres pour faire la leur. Et je pense pas, moi, que justement, il peut y avoir des changements ou ce que les gens appellent des révolutions dans des pays comme ici, tant que la télévision existera et que la presse existera. Car la télévision, elle est ce qu'en fait la presse. La presse est elle-même en retour ce qu'est la télévision. Et le cinéma, entre les deux, vu que c'est plus marginal, un peu plus artisanal, il y a moins de, je sais pas, il y a peut-être 20 000 personnes en tout qui font du cinéma en France, contre, si on compare l'ensemble. Et puis, pas dans des rapports de temps et l'espace pareil, c'est beaucoup plus... Là, c'est possible. C'est possible parce que c'est un petit terrain en marge, hein. C'est pas la finale Saint-Étienne, on doit pas jouer de telle manière, se comporter, on n'a pas une... C'est Marie. Mais c'est tellement puissant, ça, c'est tellement puissant comme possibilité d'explosion que ça continue. Sinon, il y a longtemps que les gens... Encore aujourd'hui, à part les trucs de direct, de football ou de variété, les seuls trucs qui ont de la puissance à la télévision, c'est les films. Pourquoi? Parce que c'est de la fiction, c'est de l'imagination au pouvoir... Et que c'est travailler un petit peu autrement, à l'ancienne, comme on dit. Et que c'est là que l'ancien rejoint le nouveau. Et que ce qu'il y a de nouveau dans l'ancien est empêché de percer parce qu'il y a de l'ancien. Par ce qu'il y a d'ancien dans le nouveau et des choses comme ça. C'est un système assez fantastique. Non, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Mais je pense pas, parce que vous n'auriez pas eu la possibilité de venir nous voir à la longue, parce que moi je pense que les gens avec qui on est d'accord, on les voit jamais. On peut que penser qu'ils existent. Non, c'est un peu ce que je ressentais avant de venir vous voir. Moi personnellement, il y a un truc que je vous reprocherais. Alors là, s'il fallait vous engueuler, parce que là c'était pas des engueulades. Le truc, moi, qui me met en colère chaque fois, je sais pas si c'est toujours vous qui le faites quand vous présentez des films à la télé, c'est que vous avez toujours l'air content. Puis jamais vous dites du mal d'un truc qui vous permettrait d'en dire du bien autrement. Jamais quand vous présentez un film, vous dites par exemple, bon, celui-là, formidable, à votre manière habituelle. Il n'y a jamais rien qui change, puis vous dites, mais il y a un truc, voyez. Puis vous montrez une image, puis là vous dites, ben ça ne va pas pour ça. Oui, mais ça tient à ma personne, ça serait trop long d'en parler, Tient à votre personne, mais lui, s'il interviewe Pinochet, ça tient à qui? À Pinochet, à sa personne, à... Moi, j'interviewerai pas Pinochet, mais j'ai obligé... Mais pas vous, mais vous n'avez pas besoin de le faire, lui, il le fait. C'est-à-dire que d'une certaine manière, j'ai pas envie de parler de films que j'aime pas, par exemple.
Mais ça, c'est sidérant. Alors ça, c'est effectivement ce qui nous oppose. Car comment va-t-on guérir les maladies si on n'a pas envie de soigner les gens qui sont malades? Mais en parlant des films qu'on aime. Mais on ne dit rien, on dit que je t'aime. C'est merveilleux. Il n'y a qu'à regarder la liste des adjectifs. Non, non, absolument pas. D'une autre manière. Ah, ça, je ne suis pas du tout d'accord. Mais parlez-moi d'un film que vous aimez, là. Comme si vous me le présentiez, allez, je suis le téléspectateur, parlez-moi d'un, ou de moi, si vous voulez, un film de moi que vous aimez. Et chaque fois, je vous dirai, et je vous le montrerai, c'est pas ça qu'il y a eu. Parlez-moi d'un film que vous aimez à moi. Enfin, à moi, mais comme si j'étais une caméra de télévision. Ben, prenons le dernier, prenons Comment ça va. Enfin, c'est le dernier que j'ai vu, je veux dire, c'est le dernier que j'ai vu, je l'ai vu à Cannes. Et alors, vous voulez que je donne mes réactions immédiates? Non, si vous le présentiez au Ciné-Club. Ah, ben, si je le présentais au Ciné-Club, d'abord, je le prépare. Enfin, généralement, je j'improvise pas. Parce que quand j'improvise, je suis très mauvais. Mais enfin, bon, je dirais... Je pense pas qu'il pourra passer au Ciné-Club. Ça dépend pas de moi, je dirais. Ah. Donc, parlez de quelque chose qui dépend de vous. On va pas parler de celui-là, puisqu'il peut pas passer à la télévision et que je vous demande de me parler d'un film que vous... De moi, si vous voulez, que vous allez présenter à la télévision... Ou, je sais pas, vous en avez présenté des films de moi à la télévision? Oui, j'ai présenté Weekend. Ben, Weekend, par exemple, j'ai pas vu, franchement. Donc, justement, voilà. Vous avez dit quoi? Parce que ça m'énerve tellement votre air content, justement, que je dis, j'arrête tout, je regarde pas beaucoup la télé. Mais là, je peux plus supporter ça. Je peux pas supporter cet air heureux, alors que c'est une entreprise d'extermination d'une autre manière. Puis moi, j'en fais partie en plus. Donc, je sais pas, je... Alors là vous diriez quoi sur Weekend? C'est un film de Jean-Luc Godard, vous avez dit quoi, à peu près? C'est vrai que je m'en souvienne. J'ai dit une chose très simple, je dis que vos films, que ce qui les caractérise par rapport aux autres films, c'est que quand on les voit, on est touché personnellement. Je veux dire qu'on soit pour ou qu'on soit contre. C'est une expérience que j'ai faite personnellement dans des ciné-clubs où je présentais Les Carabiniers, par exemple, et où je me suis aperçu que les gens, que le film réussissait dans la mesure. On allait au-delà de l'esthétique ou du cinéma. On va essayer de faire notre travail pour vous montrer. Il faut bien montrer comment on travaille. Nous, on entend un son, on voit une image avec nos yeux, nos oreilles, et puis on la passe à notre microscope qu'on appelle télescope ou objectif, comme on essaye de travailler un peu comme les scientifiques, puis après de pas rester comme les scientifiques. Quand ils sortent de chez eux, brusquement, ils disent autre chose. Heisenberg, il a vu que les choses étaient comme ça, et puis comme ça, il a cherché des mots, puis dans le langage de l'époque, il y avait le mot incertitude. Alors il a dit, j'ai trouvé le principe d'incertitude, ce qui était une ânerie colossale, parce que ça, on devrait plutôt appeler ça un principe de certitude, par exemple. Puis, bon, ben, de toute façon, mais tout ça parce qu'il était ressorti de la société, il était de son temps à l'époque. Aujourd'hui, les gens vivent à une époque qui était conditionnée par des découvertes dites scientifiques, et ils vivent avec une pensée qui vient de l'époque d'avant, du 19e siècle, quand c'est même pas du 18e ou de Louis XVI. C'est-à-dire, ils pensent à la Lune, mais comme Louis XVI pensait à la serrurerie. Bon, comment vous les pensez? Vous tombez, vous cassez la gueule, ou quand vous demandez une augmentation de salaire, ben vous avez rien, ce qui est bien fait pour vous. Bon, alors là, vous avez dit une petite phrase, les films de Jean-Luc Godard sont des films qui touchent, qui touchent personnellement, je crois. Vous avez dit quelque chose comme ça. Qui atteignent les gens au-delà de leurs préjugés, dans quelque chose qui est très... Oui, mais si on vous disait le fusil de la facture de la manufacture d'art Manurin, qui doit être copropriétaire du club de football Saint-Étienne, quand elle tire des balles de fusil, c'est des balles qui atteignent personnellement les gens au-delà de leurs préjugés. Non, mais c'est pour dire, les mots touchés, ça peut pas, on peut pas s'en servir comme ça à cet endroit-là. On peut pas. C'est pas vrai, toucher comme ça, il n'y a pas que ça. Dans le son, hein, toucher, vous pouvez l'entendre, le son que ça fait. Alors, toucher, nous, si pour expliquer toucher, le type, il dit que ça, si je dis quand je touche un micro, ça fait boum boum, à un moment, il dit, bon, mais ça, voici comment c'est construit, il y a tel truc, enfin, il dirait un certain nombre de choses. Quand votre père vous fout une baffe, vous dites, ça m'a touché personnellement, ça vous suffit pas.
ça vous suffit pas, je sais pas, il y a quelque chose, donc vous pouvez pas dire ça. C'est là que je dis, bon, vous n'avez pas employé un adjectif type, parce que vous êtes peut-être un peu plus honnête, vous faites trois mots, alors que le critique de François ou du Figaro n'en fera qu'un. Il dira merveilleux, sublime, et ils disent plus grand-chose aujourd'hui, il y a encore 4 ans, qui ne sont qu'une répétition. Il n'y a qu'à regarder la publicité dans les titres des films de cinéma. Ils ne savent pas quoi dire. Mais ils ne savent pas quoi dire à la fois parce qu'ils ne font pas leur métier de journaliste à l'endroit où ils sont, et que leurs confrères qui parlent du Liban ou de que sais-je ne le fait pas non plus. Donc et que les gens du cinéma ne le font pas. Alors effectivement, quand on parle un moment de gens qui font leur métier, que ce soit un ouvrier en grève, une femme qui a peur de se faire avorter, un Palestinien qui, ou un Jean-Luc qui aussi, ben on parle de toute autre chose. Donc je dis, mais vous ne parlez pas de moi, moi. Et vous ne parlez pas de ce que j'ai fait. Vous parlez de vous. Ça m'intéresse beaucoup si vous parlez de vous. Mais parlez de vous. Montrez pas mon film après. Parlez de vous pendant une heure, puis montrez une image de Week-end, si vous voulez. Ah non, justement, c'est la clé de ce que vous venez de dire est la clé de notre désaccord. C'est-à-dire que moi, rien ne me fera penser une seconde que... Mais ça vous intéresse d'être touché personnellement? Ah ben... Mais qu'est-ce que... Oui, je veux dire que... Enfin, pour moi, tout bêtement, je veux dire, ce qui... Il faut pouvoir en faire quelque chose, après. Il faut pouvoir en faire quelque chose, enfin, en tout cas... Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Puisque vous dites qu'après, vous avez été touché personnellement par Week-end, après, 10 ans après, je vous amène un autre film que je trouve bien plus intéressant, Comment ça va? Et vous dites, c'est pas en mon pouvoir de le passer. Donc, non, mais ça, vous n'avez pas pris le pouvoir, ça vous a... Ah non, j'ai pas pris le pouvoir, ça c'est évident. Mais même pas un peu. Mais vous non plus, je veux dire... Ah, mais j'ai pris le pouvoir de faire un autre film. Alors l'autre, vous allez en dire quoi maintenant? Mais comment moi, tout ça ce va que si je vous veux pouviez faire... le passer, vous diriez quoi maintenant? Je dirais... Vous ne ferez pas pour l'instant ce que j'aurais dit. Nous sommes au bout de nos 15 minutes. Pierre Jacquet recharge son magnétophone très vite, de manière à suivre Godard sur sa lancée. Ben, charge et décharge, il y a du courant. Le courant, il passe par un conduit, là, par exemple. Là, on voit moins le conduit. Enfin, tout ça, c'est des choses, comment on peut dire. Effectivement, critiquer un film consisterait à dire ben, comment on a passé le courant, car à un moment, une bande... qui est projeté, ça, il y a un couloir de lumière, du reste la fenêtre de la caméra s'appelle un couloir, la fenêtre s'appelle une fenêtre, il y a donc du dehors et du dedans, enfin il y a, c'est pas des jeux de mots ça, tout est jeu, moi je revends, les jeux de mots sont interdits de ces jours, effectivement, les criminels de l'information interdisent les pas pour moi, non, la question est pas là, mais vous me posiez la question de savoir ce que j'aurais dit de comment ça va. Pour moi, c'est relativement net, mais vous allez encore trouver que je fais preuve de paresse mentale. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai, mais je dirais... On ne peut pas dire ça. Vous faites preuve d'une... Vous débordez... En ce moment, vous devez dépenser... Et c'est lui le plus fort. C'est pour ça que c'est lui que j'attaque le plus, parce que c'est le plus fort. Car vous dépensez quand même une énergie deux fois plus... sûrement beaucoup plus considérable que moi en ce moment... qui, du fait que je suis passé de patron ouvrier, mais tout en restant un peu patron, je me fatigue pas plus que lui. Par rapport à vous, par rapport à lui, j'en fais 10 fois plus. C'est pour ça que je l'en veux à lui. Car effectivement, à un moment donné, ça sera que notre alliance des deux qui pourra vous aider à changer. Car tout seul, vous pourrez pas. Je peux quand même... Le pire, c'est le journaliste pour moi. Non. Le pire, c'est le journaliste. Non, le pire, c'est le journaliste, mais on peut rien faire pour lui. On peut rien faire. Eux, on peut, parce qu'ils ont un instrument entre les mains, beaucoup plus net, et à un moment donné, on peut les attaquer à partir de cet instrument. Et ils enregistrent, parce que c'est leur métier d'enregistrer. Les journalistes, on ne sait pas très bien, ça fait que passer à travers. Si vous me laissez parler deux minutes... Oui, voilà. D'abord, je crois qu'il y a une réalité... Beaucoup, c'est parce qu'on ne parle jamais. D'accord. Non, mais je veux dire que... Il y a deux choses. Hein. Vous venez de mettre en question l'utilité. S'il y en a deux, il y en a sûrement trois. De l'utilité de ce que je fais, de ce que nous faisons tous les deux. Moi, je vois une utilité très claire, très simple, immédiate, évidente, mais que vous refusez peut-être, et qui est que le fait de parler de vous, le fait de vous faire parler, le fait de dire que ce que vous faites est important. Peut amener des gens à voir vos films. Et moi, d'accord, j'ai un souci qui est simple, qui est d'amener des gens à voir vos films. Mais vous ne dites pas
ce que je fais, et ne disant pas ce que je fais, vous n'amenez pas des gens à voir nos films, car nous, on pense qu'au contraire, et on doit faire cet effort tout seul, et comme on le fait tout seul, ça ne va pas du tout, on doit commencer par perdre des spectateurs. Moi, pour gagner ma vie, j'avais besoin de 100 000 spectateurs sur un film. Pour changer, je dois arriver à en avoir moins, c'est-à-dire 20 ou 10 000. Et à partir de 10 000, se pose effectivement un problème économique pour faire des films, quel type de film on peut faire, pour trouver 10 000 spectateurs, qui sont peut-être une relation de film à spectateur un peu plus normale et non pas du tout démesurée. Un film, une personne, Hitler, qui parle à 6 millions d'auditeurs, tous les films, c'est ça. Je lis encore un interview du film qui a eu le grand prix à Cannes, qui a eu, je crois, un grand prix à Cannes. Cet article, il est atterrant. Voilà. Et oui, j'ai lu cet article, il est atterrant. Il est atterrant, c'est Le Monde. Et Le Monde est le seul journal lu. Alors, qu'est-ce qui est atterrant? C'est qu'on est à terre. Tout ce qu'on peut dire, si c'est atterrant, c'est qu'on est à terre. Puis, si en plus, on a la tête sur la terre au lieu d'avoir les pieds sur la terre, alors ça, c'est même pas... C'est plus qu'atterrant. Il dit s'exprimer sans perte de spectateurs. Le capitalisme, enfin, ce qu'il y a de mauvais dans le capitalisme, je ne peux pas parler comme Mitran, le capitalisme, etc., s'exprimer sans perdre de spectateurs. Nous, au contraire, il faut nous exprimer en perdant et en gagnant d'autres qui seront perdus pour un, je sais pas, pour autrement, pour parler, car effectivement, on ne parle pas avec les gens qui voient des trucs. Faites une image de vous. Notre problème, nous, tel qu'on le pose, je ne dis pas qu'on le résout, mais à un moment donné, c'est une grande nouveauté de dire, effectivement, pour penser le rapport prix du film spectateur, ben je dois penser, on veut gagner 300 000 balles par mois, 350 000 si possible, 400 000. Pour ça, il faut 400 spectateurs à 1 000 francs. Est-ce que si je fais une photo de moi ou une photo de toi et que je vais la montrer à 400 personnes, est-ce qu'elles vont payer 1 000 francs? Ça, c'est théorique, mais partons de ça, car cette théorie repose sur une réalité, je peux le voir tout de suite. Est-ce que ma femme même est prête à payer 1 000 balles pour voir une image de moi? Pas tous les jours. Alors ça veut dire quoi? 400 femmes prêtes à payer 1 000 francs? Et en plus cette question, quelqu'un d'autre peut y répondre. Et à partir de là, faire quelque chose qui tiendra compte. C'est un autre genre d'utopie qu'effectivement Verneuil ou ces gens-là qui disent il faut plaire au public. Mais ça, Giscard le dit pareil, qu'il faut plaire au public. Moi, je dis des choses extrêmement bêtes, mais qui me paraît dangereux. Donc là, vous faites du tort en essayant de faire voir nos films plutôt que d'abord de faire voir, pas forcément avec nous, ce qu'on fait. Enquêter ce qu'on fait, puis peut-être le faire voir ailleurs. J'ai la conviction. C'est-à-dire, Ciné Club ne devrait pas projeter de films. Pour bien parler du cinéma, d'abord. Pendant un moment. Ou arrêter un moment. Enfin, faire quelque chose. Là où je vous trouve injuste, c'est quand vous dites... Non, moi j'essaye de voir sur la chaîne. J'essaye de voir quand vous allez passer un film de moi, à quel endroit je vais être sur la chaîne. Non, mais et je vous demande votre aide, vous qui y êtes déjà. Effectivement. Moi je ne suis qu'un rouage. Enfin, je ne suis qu'un rouage dans toutes les. Et un rouage complice, ça c'est vrai, c'est pour moi c'est fondamental. Et pour vous aussi d'ailleurs. Allons. Mais pas comme ça, à un autre endroit. Un tout autre endroit. Non, mais je veux dire, vous menez un certain combat... C'est profondément immoral d'arriver, effectivement, je me sers d'un terme de morale, à un endroit où lui, il l'utilisera pas. Mais pour faire deux, parce que dès qu'il y a deux choses, comme vous disiez, moi je dis, il y en a trois. C'est absolument immoral que dans cette conversation à trois, lui ne participe pas, et il ne peut pas participer. Et que s'il participe et qu'on fait un plan d'une heure sur lui, vous ne le passerez pas à Ciné Club, et moi je ne le ferai pas, je ne serai pas assez fort pour le faire imposer par la Gaumont. Vous avez la Gaumont. C'est ça qui est immoral. Non, mais vous avez la Gaumont, moi j'ai la direction d'Antenne 2. Je veux dire que on est dans le même sac.
si on prenait les choses beaucoup plus simplement, et si je dis, ne m'interrompez pas, je vous demande une seconde, si je dis simplement que vous menez un combat qui nous paraît à quelques-uns exemplaire, et que l'important pour moi, c'est que ce combat soit connu, qu'il y ait une certaine manière d'amplification, quitte à ce qu'il y a récupération, je suis bien d'accord. J'ai tout à fait conscience d'être en même temps un récupérateur, puisque je suis, oui, enfin... Je veux faire connaître votre combat, c'est pourtant simple. Mais la seule manière de montrer ce que c'est la télévision, c'est de vous interrompre précisément. Et donc sans arrêt, mais non, pas du tout, d'interrompre, c'est-à-dire de parler à côté. C'est extraordinaire, les débats à la télévision, effectivement, les gens se disent sans arrêt, « Monsieur, hein, je vous ai laissé parler 20 minutes, alors quand même, soyez poli, laissez-moi parler. » C'est pas une question de polite. C'est absolument. Non, mais là, c'est pas une question de polite. Alors qu'ils sont dans un endroit qui coupe sans arrêt. Oui, ça, je suis bien d'accord. Qui coupe sans arrêt, car si on avait 20 heures ou 25 heures, qui n'est qu'une journée, effectivement, c'est mon rêve. Parler une minute. C'est mon rêve. Bon, alors tenons compte... Si je pouvais le faire, c'est ce que je ferais. Mais disons pas ça. Essayons de savoir à quel endroit de ce rêve on est. Et donc à quel endroit de ce cauchemar on est. Effectivement. On va arrêter un petit instant. On arrête un moment. Hein ? Cette conversation va être interrompue. Là, pas par nous, car on ne sait pas, peu importe, mais par lui qui a un autre boulot. Et quand on dit couper, on voit, on lui a coupé sa journée. Et c'est pas moi, là, hein. Et encore, parce que c'est moi, ça dure un peu plus longtemps. Ça aurait été un autre, ça aurait duré 10 minutes. Non, je dis pas un autre cinéaste, un autre truc, mais il a sa journée coupée. On ne prévoit pas 3 jours, par exemple, pour parler à quelqu'un. Enfin, je sais pas, je vous demande, on prévoit pas 3 jours. Mais peut-être que nous sommes là pour préparer le temps, on aura 3 jours pour le faire. Là, il y a d'autres choses, d'autres gens, et puis ça se fera pas. Moi, je vous dis, on fait ce qu'on peut. La télévision, la seule chose que j'ai demandé à faire, et je n'ai jamais pu le faire, c'est des matchs de football régulièrement. Parce que la manière dont ils sont faits à la télévision, c'est absolument invraisemblable. C'est fait par des gens qui n'aiment pas le football, donc qui ne cherchent pas à filmer. Il n'y a pas besoin d'être Eisenstein, il faut aimer le football, puis après, peut-être, sans aller jusqu'à Eisenstein ou un autre, on cherche comment il faut voir. Et la coupe, là, c'est extrêmement important, si vous voulez, c'est l'interruption. Car effectivement, ceux qui ne sont pas interrompus, c'est Giscard, ou ceux qui ont un discours qui est fait d'interruption, c'est-à-dire qui interrompent sans arrêt la voix des autres. Drucker, on ne coupe jamais, lui. Jamais. Il n'y a jamais un footballeur qui vient lui dire, dites donc, hein, vous allez vous taire 3 minutes, puis moi je vais vous montrer comment, 3 minutes, que dis-je, 30 minutes, puis vous allez me filmer en train de faire un dribble. Puis tout le monde serait très content. Du reste, il dit rien du tout, Drucker. Qu'est-ce qu'il dit quand il fait non, des... Drucker ne commande quand plus de match actuellement. C'est... Non, bon, moi, je dis ce mot-là, vous voyez, il y a longtemps que je ne l'ai plus regardé. Ou d'autres. Mais qu'est-ce qu'ils disent On arrive à un effet, il n'y a plus besoin de leurs paroles. Or, c'est eux qui sont payés. C'est vraiment un boulot de roi. Il dit juste, Jules passe à Paul. Et il dit même plus, Jules passe à Paul, il dit Jules. Puis le spectateur, il fait le travail, il voit le ballon. Les joueurs font le travail aussi. Puis en plus, c'est des professionnels, donc comme ils sont payés, ils râlent pas pour faire le travail gratuitement. Alors, il y a Jules qui passe à Paul, il y a le ballon, puis Drucker ou équivalent, il dit Paul, puis quand il voit le ballon arriver à Jules, il dit Jules, puis après Ernest. Et puis, mais c'est ça, le journaliste? Puis alors, de temps en temps, mais ou le tiercé. Le tiercé, ça commence comme ça, c'est... Mais il pourrait dire, tiens, j'étais en train de lire mon journal, je crois que les chevaux sont partis, et puis il dirait rien. Puis il dirait, là, ils arrivent au contour, il y en a un qui est tombé. Il y en a un qui... Bon, il retrouverait... Mais dès le départ, il part exténué pour apporter une dramatisation à un endroit où... Personne n'a besoin de la dramatisation. Mais il n'oserait pas faire pareil sur une émission où on voit 3 Palestiniens tués par... assassinés par leurs frères syriens, par exemple. Là, il dirait pas... Oh là là, mais vous avez vu, mon Dieu!
Là, les informations, ça serait quelque chose. Mais il y aurait du travail, puis on n'oserait pas parler comme ça. Moi-même, là, parlant, je vous assure que je fais un effort pour sortir... je sais pas, parce qu'on... Là, les acteurs seraient peut-être... Enfin, je sais pas, il y a... Oui. Bon. Oui, mais ça, Alors, qui fait le cinéma? Vous? Ben non, nous, on en fait peu. Pas beaucoup. On aimerait que d'autres gens fassent plus souvent pour en faire moins, car chacun fait trop. Ça, je veux bien le croire, mais... si je vous raconte l'histoire de l'émission là, que je fais depuis le mois d'octobre, qui s'appelle « Le cinéma des cinéastes », il se trouve que votre nom est apparu en référence à peu près chaque fois que j'ai eu une conversation, soit avec des jeunes gens qui sortent de l'IDEC en troisième année, mais etc. C'est un vrai drame pour moi. C'est un vrai drame, car ce qui m'aiderait beaucoup, ce qui est... Mais personnellement, alors là, hein, ce qui me toucherait personnellement, puis je peux vous dire comment ça me toucherait personnellement, ça serait que vous présentiez un film de moi, mais sans mon nom, sans dire mon nom. Vous n'arriverez pas à ce que ça ne paraisse pas sur Télé 7 jours. Vous n'arriverez pas à ce que ça ne paraisse pas dans la presse. Mais qu'au moins, quand vous le présentez, vous ne dites pas mon nom. Vous ne disiez pas mon nom. Je ne parle pas de moi, là, je parle Vous le ferez, c'est pour vous dire ce qui m'aiderait, ce qui nous aiderait à la longue. Car le fait qu'il y ait mon nom, que moi je n'écris plus long, mais que les gens écrivent pour moi, nous fait un tort, et même personnel, dans notre vie personnelle, dans ma vie personnelle, fait un tort considérable dont moi je ne suis pas maître, et dont les gens, alors à ceux qui en sont le maître à un moment donné, de dire Jean-Luc Godard a fait tel film, que le prochain film, que chaque fois que vous parliez de moi maintenant, des films que j'ai faits, vous ne prononciez pas le nom. Vous dites, il y a un film qui, il y a un film que, j'ai vu... telle image suivie de tel son et j'ai pensé que vous ne dites pas le nom. Et si on vous demande qui l'a fait, vous dites « je ne sais pas ». Voilà, là c'est quelque chose... Mais alors, et voyez, quand j'ai dit qu'il me toucherait personnellement, il y a 10 ans, j'aurais pas pu vous dire. J'aurais dit « oui, tel film de Nicolas Ray, ça m'a vraiment touché ». Bien quoi. Là, je vous dis, ça me touche, je sais où ça entre, là, et je sais comment ça va sortir. Ça va améliorer des relations personnelles, et ces relations personnelles étant améliorées, quelqu'un sera plus capable techniquement d'avoir d'autres relations, etc., etc. Juste dans les petits 20 mètres carrés que nous sommes. Non, mais je comprends. Effectivement, si les gens qui travaillaient ici avec moi ne prononçaient pas mon nom, eh bien, moi, on ne regretterait pas de leur payer le salaire qu'on leur paye. Et que des fois, on regrette, quelle que soit leur qualification. Et les gens qui travaillent ici sont vraiment parmi les meilleurs. Mais c'est quelque chose de très dur. On dirait, il ne dirait pas « j'ai fait tel truc avec Jean-Luc » ou comme vous disait Chapuis tout à l'heure. Il dirait, car mes pires ennemis, je vous dis, ils m'appellent par mon prénom même. Tous. Moi, dans le cinéma, je vais à la banque, on me dit « bonjour Jean-Luc », quelqu'un que je n'ai jamais vu. Non, mais ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant des vocations que vous suscitez, c'est pas du tout l'idée de vous... Que ça que vous avez... Que vous auriez le pouvoir, vous, de ne pas dire mon nom ? Encore une fois, le temps nous trahit. Godard profite de l'interruption pour consulter ses notes et y trouver les éléments d'une attaque en règle contre le SECAM. Dans les usines, et puis qui fait que, vu que ce certain type de machine, on est forcé de travailler d'une certaine façon. Donc ça sert à rien de rêver d'une bagnole meilleure. Telles que sont les machines, c'est telle bagnole qui va sortir. Vu que c'est telle grosse caméra, tel gros truc... Et en France, on est revenu à Napoléon là-dessus. Et le SECAM en est une bonne évidence. Le SECAM, c'est très intéressant. Le PAL, qui est dérivé du NTSC, si vous voulez, là, on parle technique et c'est intéressant. Le PAL est un système qui permet de bien traiter. Il y a beaucoup d'informations. Et le difficile, c'est de mélanger toutes les informations qui définissent, mettons, une couleur, un système de couleurs. Le PAL permet, et le permet bon marché. Le PAL est né dans des endroits relativement décentralisés, quel que soit leur impérialisme ou comme ça, qui sont des régimes décentralisés, Allemagne, États-Unis. Au contraire, les régimes très centralisés, comme la France, ont inventé un espèce de système qui ne peut pas être mis en toutes les mains. Il faut une grosse machine au départ, et puis tout le monde doit passer comme la reine des termites, si vous voulez. C'est un peu le contraire. Et nous, effectivement, nos alliés là-dedans, c'est le PAL. C'est parce qu'on peut le traiter en SECAM, on ne pourrait rien faire de ce qu'on fait. On ne pourrait pas. Le SECAM, c'est fait pour être transmis. C'est très bon pour être envoyé.
C'est comme ça que ça a été inventé, parce que ça vient de la radio. Le PAL est bien pour faire ça. On fait la salade, on la fait très bien. Ensuite, pour l'envoyer, le SECAM. Mais justement, on voit que chacun, on voit la frontière. On voit que finalement, même sur un système de couleurs, c'est des passeports. Alors, qui a choisi le passeport SECAM? Ben, tous les pays hautement centralisés, socialistes ou pas. Soit les potentats d'Arabie Saoudite, soit la France, soit les pays latins, des trucs comme ça. Et la France n'arrive plus, car elle est en retard d'une guerre là-dessus. C'est un principe, mais c'est absolument imbécile de choisir le SECAM si on veut travailler. L'Algérie l'a compris. Ils ont pensé pour eux, je ne sais pas s'ils l'ont pensé comme ça, mais c'est le fait que l'Algérie ait choisi, qui était simplement le fait de donner une gifle à Chirac et Giscard en disant « on ne choisit pas votre système », en fait, à long terme, c'est intéressant pour eux. Ce n'est pas du tout économique, c'est politique. Ils peuvent, s'ils veulent, travailler, eux qui essayent de se décentraliser, enfin, relativement. Bon, ça, c'est ce que je voulais dire sur le PAL et SECAM. Puis après, on peut revenir au fait, est-ce que dans cette émission, bon, est-ce que vous pourrez ne pas prononcer mon nom, de dire j'ai vu une personne qui fêtait ça et qui n'a pas voulu, qui a voulu. Je ne sais pas si vous tenez à parler de la personne, parlez de la personne si vous n'arrivez pas à parler du travail. Mais est-ce que vous pourrez, et ça, c'est vous qui avez le pouvoir, là, d'ouvrir la bouche, il n'y a pas quelqu'un avec un revolver qui vous dira il faut prononcer ce mot-là. Ben ça, c'est ce qu'on vous demande. C'est une demande d'interviewer à intervieweur. Que votre nom soit prononcé. Oui. Parce qu'en plus, vu comment on se sert de cette interview pour passer sur une émission de télévision, en plus, vous serez payé car vous avez joué les deux, vous avez dépensé de l'énergie, vous prendrez l'argent, mais on vous payera comme les autres, ce que ne fait pas l'ORTF. Alors, à la fois personnellement et en plus, en vous payant, on dit on aimerait bien qu'en échange du salaire reçu, on ne prononce pas notre nom. Non pas que nous n'avons pas un nom, mais qu'il n'est pas intéressant pour connaître notre travail comme ça. C'est extrêmement simple. Il suffira de placer dans le montage cette bobine avant les autres et de ne jamais que votre nom soit prononcé, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Très bien. Et je dirais, généralement, on annonce l'émission, il y a un speaker qui annonce l'émission avant en disant aujourd'hui le cinéma des cinéastes avec la participation de... on ne le dira pas cette fois-là, c'est extrêmement simple. Très bien. Car effectivement, s'il y a quelqu'un qui me dit « j'ai entendu une émission et je pensais que c'était toi qui parlais », nous, ce qui nous intéresse, si c'est quelqu'un qu'on connaît, ce qui m'intéresse après, c'est de dire « mais... et qu'est-ce que j'ai dit ?» Puis à ce moment-là, je regarde si l'émission était intéressante et si on n'a rien dit. Ou si simplement, ensuite, il s'est souvenu ou comment il en a parlé à d'autres, s'il l'a intéressé. Et si après, si lui a dit « j'ai entendu sur France Culture une émission avec Jean-Luc Godard », alors là, je lui demanderais « mais comment ça se fait que tu connaisses... Que tu connaisses ce nom puisqu'on ne l'a pas prononcé ?» Mais ça, vous venez de le prononcer. Qu'est-ce qu'on fait Moi, c'est normal. Vous, c'est normal? C'est normal, là, je tiens pas à le faire supprimer. Je tenais à parler avec vous de ça. C'est pas le fait d'un truc comme ça. Je tenais à en parler. On tient pas à dire un tel qu'il est fasciste ou pas. Je le suis aussi, mais comment je le suis? Et à quel endroit, c'est tout. C'est tout et c'est trop pour trop peu de gens. Cette expression, c'est tout, hein, c'est pour clore quelque chose. Non, mais ce qui est curieux, c'est qu'en venant vous voir, j'avais pour intention de vous faire parler de votre travail. J'avais marqué d'ailleurs ça sur le travail. Et en fonction précisément de comment ça va, qui est l'exemple même pour moi d'un travail. Je veux dire, d'un travail, le film étant un travail, les gens filmés étant au travail. Mais quel travail y a dans Comment ça va pour vous, justement? Pour moi, grosso modo, d'une manière générale, il y a un immense travail contre la paresse mentale et contre toutes les... C'est précisément le travail que vous venez d'effectuer sur mes questions, que vous venez d'effectuer sur la manière dont je vous parle, c'est-à-dire d'employer le mot impropre, de ne pas aller plus loin, de ne pas...
de ne pas prendre le temps de réfléchir suffisamment sur les mots que j'emploie. Je veux dire que de ce point de vue-là, j'ai pris comment ça va comme une leçon personnelle. Je veux dire que, effectivement, je me rends compte que moi-même, dans ma manière de travailler, dans tous mes travaux différents que je fais, effectivement, je me laisse aller souvent au premier adjectif, à la facilité, et que comment ça va de ce point de vue-là est exemplaire. C'est peut-être ce pas. Ce qui est ennuyeux dans notre travail, mais c'est pour ça qu'il est intéressant, c'est qu'on peut s'engueuler qu'avec les amis. Les ennemis, on s'engueule pas avec eux. Je veux dire, on sait où ils sont, on sait ce qu'on. On découvre ce qu'ils nous donnent ou ce qu'ils nous prennent, mais. On va pas s'engueuler avec Gaumont parce qu'il refuse de financer un film de 400 milliards, puisque c'est une toute petite compagnie qui peut financer que des films de 3 ou 4 milliards. Donc c'est effectivement, on va pas les engueuler pour ça, qui peuvent financer ni 400 milliards, ni 10 centimes. Ils peuvent pas donner Gaumont 10 centimes à quelqu'un pour faire une image de 10 centimes avec un... Des images de 10 centimes, ça a autant d'importance des fois que des images. Ce qui n'a pas d'importance, c'est justement c'est la moyenne dans les images. La moyenne, il n'y a pas d'image moyenne. Il y a une moyenne qui se fait par des rapports d'images. Et il y a une moyenne. Alors on peut décider à quelle moyenne on veut rouler. À quel moment on accélère, à quel moment on fait des trucs forts, à quel moment on fait des trucs faibles, à quel moment on coupe, mais à quel moment on coupe pas. Hier, je regardais une émission à la télévision, un après-midi, Antenne 2. C'était exactement le contraire de nous. Il y avait un type, il avait 8 personnes. Il a tellement peur de ne pas savoir quoi dire, et c'est tout le temps comme ça, qu'il en fait venir 8, qui sont le type de toutes les émissions. Alors, il y avait à la fois la secrétaire d'Allende, une fille qui appartenait à l'extrême gauche chilienne. Il y avait un écrivain qui parlait d'un livre sur la Russie. Il y avait un spécialiste des fleurs. Puis il y avait Georges Lautner qui parlait de la pornographie. Puis non seulement c'était déjà coupé, c'est-à-dire le gâteau était déjà découpé en tranches. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes pour parler de l'émotion de la mort d'Allende. Mais c'était atroce. Et après, il y a Lautner qui parlait de la pornographie. Et la secrétaire d'Allende, elle riait. Alors... Mais quel travail? Qui a tué Allende? Comment? Alors en plus, ce qui est le plus drôle, nous, c'est qu'on regardait ça sur un téléviseur ITT. Et puis, il y avait des trucs. Et puis, à l'intérieur même d'une personne, on voit bien tellement on s'ennuie de regarder longtemps quelqu'un. Car c'est possible de ne pas couper sans arrêt, de faire une image, mais si cette image, on la fait durer un peu, à ce moment-là, il y a des changements, mais dans le temps. Puis la voix intervient, le son, enfin aussi c'est un paysage, le son. Imaginez un paysage d'une heure, tout le monde se plaint qu'on est dans le béton, la télévision ne fait pas son boulot. Et c'est ça, moi, que je voudrais dire justement, c'est qu'il n'y a plus de communication. Il y a tellement de moyens qu'il n'y en a plus, il y en a beaucoup moins qu'au Moyen-Âge, beaucoup moins que sous les Romains, il y en a beaucoup moins, il n'y a plus. Il y a tellement de moyens de communiquer. Regardez un kiosque, hein. Un kiosque, c'est même un bouquet n'a pas autant de fleurs qu'un kiosque a de revues ou de trucs. Il n'y a plus de communication. On communique plus du tout. Et on communique tellement peu, mais uniquement parce que les moyens ne servent plus à ça. Les moyens, il n'y a rien qui passe. C'est eux qui devraient faire passer, mais ils ne font plus rien passer. Les gens, ils explosent. Ils explosent complètement. Alors chez l'un, ça se produit. L'autre jour, il y en a un qui est sorti dans la rue, il a tué 8 personnes. Puis après, il a dit, oh, j'ai dû avoir un coup de folie. Mais effectivement, il n'y a pas un speaker télévision qui dirait c'est la faute de la télévision. C'est la faute de la télévision, ça. C'est pas les gens, les maladies, le cancer, tout ça, c'est la télévision. Enfin, le système communication, presse, l'appareil le plus évident, l'image, enfin l'appareil, le représentant, de même qu'un ouvrier a son représentant pour parler au patron, ben la presse a son représentant pour parler à ses lecteurs, c'est la télévision, chacun se représente l'un l'autre. Mais est-ce que ça tient selon vous? Ça, je suis totalement... Ce que vous dites, je le sens. Ça va pas du tout. On dit des trucs généraux. Moi, tout ce que je voulais dire là, justement, par rapport à cette émission que j'avais vue, c'est qu'à l'intérieur même d'un visage, il s'ennuie tellement
qu'une fois qu'ils ont fait un zoom, ben, ils se reculent, puis ils font un zoom arrière. On devrait pendre les fabricants de zoom ingénieux, on devrait le pendre. Tous les ouvriers et ingénieurs, on devrait les pendre, c'est des assassins. C'est des assassins d'un moment de la vie qui est la pensée. Là, ils coupaient. Puis alors, vu ce qu'ils se disaient, d'où est-ce qu'il a pris ces images de coupe de plan, de faire un gros plan, puis d'en mettre un autre de profil, et puis de faire qu'ils aient l'air de se répondre. Il l'a pris dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma, qui a inventé, mais quand on a inventé le changement, les gens ne savent plus. Moi, le seul problème qui m'a préoccupé, là où je peux apporter quelque chose, c'est de dire, moi, effectivement, c'est quand changer de plan. C'est un truc que je commence à penser, à pouvoir, non pas faire, mais à pouvoir penser que je pourrais faire. Où et quand changer de plan, changer d'angle, trouver un angle. Et là, c'est absolument aberrant, car il se disait des choses. Une fille dit, il y avait une conversation entre Pierre Deck sur la Russie, puis cette révolutionnaire chilienne, et puis elle disait quelque chose, puis il changeait de plan. Mais la forme de ce changement de plan, c'était fait comme si on filmait Elisabeth Taylor et Delon ayant un dialogue d'amoureux. Mais vu qu'il n'avait pas de dialogue de type amoureux, toute la dramatisation de ce qu'elle voulait rendre dramatique en parlant de Julie était tué par l'équivalent de lui à la caméra ou à la régie, qui était probablement même un sympathisant. Alors quand deux sympathisants s'allient ensemble à un endroit donné pour se donner pour se mitrailler eux-mêmes, ben, là où on est ici, on dit « ça va pas ». Une fois qu'on a dit « ça va pas », on essaye de dire « mais même pas comment ça va, mais comment ça va pas ?» Parce que comment ça va, on fait même pas la différence. Et où, quand, et comment. Mais est-ce que vous pensez que cet affolement, cette confusion, qui effectivement ne va qu'en s'accélérant, est une affaire de civilisation ou c'est une affaire de purement à analyser purement sur le plan marxiste Oh là là, j'en sais pas. Marx. Hein. Marx, les gens n'ont jamais parlé de lui. Ils n'ont jamais dit Marx était un type qui s'est crevé le cul pour avoir de quoi acheter du papier parce qu'il manquait de papier, en fait. Puis de temps en temps, il baisait la bonne et c'était Engels qui adoptait l'enfant. Mais. Puis il a écrit des choses, effectivement, parce qu'il avait ce moyen d'impression. Marx, je sais pas, on en est. Comme on revient en arrière, on repasse par lui aussi. Mais on ne se sert pas de ce repassage. Sauf les Chinois. Puis qu'est-ce qu'on se moque d'eux, hein? Ils ont peut-être des défauts, mais qu'est-ce qu'on se moque d'eux, hein? Mais quand même, les Chinois, c'est quand même un tour de force. Faut voir nourrir 800 millions de personnes, hein? Tout à coup, ces 800 millions de personnes, aujourd'hui, leur faire savoir qu'il y avait un mec qui s'appelait Confucius il y a 3000 ans, 4000 ans, je sais pas, qui leur a modelé la manière dont il disait « je t'aime » ou « il faut produire un litre de lait ». Aujourd'hui, il n'y a personne qui sait que quand il dit « patron, augmente-moi », il ne sera jamais augmenté parce qu'il y a un type qui s'appelait Descartes, et puis avant Descartes, un type qui s'appelait Aristote, et puis qu'il en est encore à dire de deux choses l'une, hein, ou tu m'augmentes ou tu m'augmentes pas, et à dire le tiers exclu. Hein. Et le tiers exclu, c'est le tiers état, puis c'est le tiers monde, puis ils ne savent même pas. Au moins les Chinois, ils savent ça. Puis effectivement, qu'est-ce que la télévision se moque d'eux quand on dit ça? Sauf un malin comme Perfide qui arrive et qui écrit n'importe quoi, puis qui tire à 600 000 exemplaires, c'est-à-dire qu'il les exploite, et qui reverse même pas un sou, alors qu'il vient de gagner je sais pas combien. Ça, c'est des trucs qui nous scandalent. Enfin, je sais pas. Et c'est pas une question de morale. La morale, peut-être, m'a permis de venir à ça. C'est pas, il n'y a pas quelque chose de mauvais. Mais un moment m'a permis de venir à ça pour redécouvrir. On pourra l'appeler la morale, on l'appellera autre chose. Si moi je vous paye aujourd'hui, c'est pour avoir eu le sentiment d'avoir eu une relation normale avec vous, qui est les relations qu'ont les gens entre eux aujourd'hui en France, où quand il y a des échanges, il y a de l'argent quelque part. Et à cause de ça, je ne regretterai pas, je peux ne pas regretter, peu importe, le romantisme, la sincérité, enfin des tas de choses.